S'il vous plaît, je voudrais donner la parole à Dominique Friedman, qui est le président des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif, auquel nous sommes très fiers depuis des années de participer. Et c'est un double plaisir de travailler avec Dominique, qui est très dynamique. Et c'est une manifestation qui a lieu dans 30 pays, je crois, donc ça a beaucoup d'ampleur. Cette année, c'est sur le thème du renouveau. Et notre exposition actuelle, qui s'intitule et qui prolonge en la complétant « Combat plasticien », s'inscrit véritablement dans l'actualité tragique actuelle de l'Ukraine, puisque les artistes ont une façon de combattre par leur langage pictural, qu'ils soient des graveurs, des peintres, des sculpteurs. Et nous avons construit avec Delphine Durand, historienne d'art, qui nous a déjà assuré le commissariat de la première exposition, là c'est une deuxième. Et vous verrez des artistes ukrainiens contemporains comme Diana Bistrova, des artistes sur l'Ukraine comme le réalisateur photographe Anat, des grands écrivains. C'est une extraordinaire série de synagogues, enfin, son interprétation est très en écho avec l'actualité. Et vous avez un grand écrivain peintre dont le dernier roman vient de sortir, Hubert Haddad, et Sergio Birga, qui a disparu l'an dernier, qui était un grand graveur contemporain d'origine florentine et qui s'est beaucoup inspiré de l'œuvre de Kafka dans son parcours de graveur et de peintre. Et je vais laisser la parole à Dominique et ensuite Delphine Durand, qui est l'auteur de la seule monographie sur cet artiste extraordinaire qui était Bruno Edon, disparu il y a 40 ans à l'âge de 23 ans, pour nous présenter l'esprit de l'exposition. Et merci Dominique Friedman, je te laisse la main. D'abord merci, d'abord on applaudit Francine Thomas. On peut aussi signaler la présence de la petite fille de la pionnière ukrainienne juive de l'école de Paris, Lara Delaunay, qui est l'arrière-petite-fille de Sonia Delaunay, à qui l'art doit tant. Et nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous avec une des lithographies de son arrière-grand-mère que nous admirons énormément et on espère qu'il suivre ce dialogue. D'abord, merci Francine d'être aussi fidèle à ces journées européennes de la culture juive, parce que je crois que c'est une très vieille histoire, une très longue histoire, ou jeune histoire, je veux dire, ou jeune histoire si on veut, et puis surtout d'avoir accepté de prolonger une majeure partie de l'exposition qui a démarré déjà il y a quelques mois. Donc je me souviens, j'étais là, je crois, au vernissage pour le festival des cultures juives, donc de prolonger cette exposition, combat, et en l'élargissant, bien sûr, en accueillant Yana Bistrova, donc, qui est artiste ukrainienne qui vit à Paris aujourd'hui. Et surtout de mettre en valeur, je dirais, par l'humanisme et la résistance, donc cet art,
face au tragique du monde et de la guerre actuellement. Donc voilà. Juste pour ma part, quelques mots sur les journées européennes de la culture juive. Je viens de passer une bonne partie de la journée à côté au MAJ, qui était vraiment qui a assuré le lancement de cette journée, en tout cas pour Paris. Juste pour vous dire que les journées européennes de la culture juive, qui sont organisées de façon simultanée sur l'ensemble du continent américain, parce que ça associe chaque année une trentaine de pays, c'est assez incroyable, 30 pays se sont mis d'accord en Europe pour faire de la première journée du mois, le premier dimanche pardon, du mois de septembre, c'est le début en fin de compte de ces journées européennes de la culture qui se prolongent d'ailleurs jusqu'à la fin de l'année. Hein. Donc ce n'est pas un événement, ce n'est pas une journée. Et dans les pays, on peut citer, je ne sais pas, la Lituanie, la Grèce, l'Italie et bien d'autres, bien sûr. Donc ces événements s'adressent à toutes et à tous et proposent tout un choix d'événements, des portes ouvertes, des visites guidées, des conférences, des concerts, des spectacles, des ateliers, des expositions, bien sûr, qui permettent surtout de découvrir la culture juive ou d'en approfondir la connaissance. Il s'agit tout particulièrement d'aborder le patrimoine juif, matériel ou immatériel, dans un cadre plus large d'une identité culturelle régionale, nationale ou européenne. Et surtout de montrer comment la culture juive a tissé des liens, d'abord entre les communautés juives, leur environnement, et aussi de montrer l'apport du judaïsme, de l'art, de toutes les formes du judaïsme, en tout cas l'apport à la culture, je dirais, générale. Donc par la mise en valeur de la culture juive dans sa richesse et de sa diversité, les journées européennes de la culture juive ont d'abord comme objectif de promouvoir le dialogue, l'échange et la connaissance mutuelle. Donc ne restons pas entre nous, si je peux dire, c'est vraiment ouvrir et montrer à un maximum de personnes la richesse, je dirais, de la culture juive, des cultures, on va dire des cultures juives. Chaque année, il y a un thème particulier qui est choisi. Cette année, c'est le thème renouveau. Le thème choisi donc pour l'année 2022. Pourquoi renouveau ? Parce que renouveau, c'est vraiment quelque chose qui est intrinsèquement d'abord lié à la tradition juive, hein, des fêtes, on va bientôt fêter la fête de Rosh Hashanah, la nouvelle année juive, c'est le renouvellement chaque année de l'année, mais c'est pas qu'une année, hein, c'est pas qu'une année. Dans la tradition juive, on a d'autres nouvel an, on a le nouvel an des arbres, on a même le Seder, la fête de Pessah, de la Pâque juive, est aussi une forme de renouvellement. Et puis le renouvellement, le renouveau en tout cas, c'est aussi intrinsèquement lié à la culture juive, c'est le renouveau des langues aussi. L'hébreu par exemple, qu'on avait considéré pendant très longtemps une langue morte, aujourd'hui c'est la langue d'un pays, une langue bien vivante et vraiment, c'est une renaissance aussi de cette langue, ou même de la musique klezmer, par exemple, qui il y a 30 ans, 40 ans, on connaissait, en tout cas en France, aux États-Unis, on connaissait un peu plus, la musique klezmer, ben voilà, c'est un renouveau encore, et c'est intrinsèquement lié, je pense, vraiment au fondement du judaïsme.